Time TV. Nous sommes pleins d'enthousiasme, pleins de joie, beaucoup de bonne humeur. Et le Rouennais est avec moi. Faites encore plus de bruit, le Rouennais. Merci. Merci de nous retrouver dans cette ambiance exceptionnelle. L'ambiance est spéciale, le show est chaud, l'atmosphère est incroyable. Et ça, c'est grâce aux Wamiens qui nous rejoignent ici tous les jours à partir de 11h30 pour suivre leur émission préférée, William Midi. Ça mérite encore des acclamations. Merci, 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 merci. Alors que beaucoup hésitent encore, eux, ils ont décidé de passer le cap avec du courage, malgré leur jeune âge. Quelle est leur histoire? Comment ont-ils trouvé la force pour franchir cette importante étape? Kodjo Christian Nyamke et Atse Chibrou d'Assise, mariés à 19 ans, seront là dans quelques instants. Ça mérite du bruit. Avant eux, un grand maître de la parole, roi du phrasé et de la rime, récemment primé au Massa, viendra faire montre une nouvelle fois de son grand talent. Néoulou me rejoindra ici également. Et puis, puisqu'on est à Wam et qu'on aime le show, qu'on aime ceux qui sont pétris de talent, un danseur exceptionnel, Pequeño, viendra ici pour faire le show aussi avec nous. En attendant de recevoir notre slammer et notre danseur du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et surtout d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV La TNT Midi, c'est l'heure de William Midi, les esprits. Tous les jours à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. Vous nous retrouvez également sur l'application Live Play et puis sur les directs Facebook de Live TV et puis sur notre page TikTok également, ça s'appelle Live Talk. Et puis comme tous les jours, on va commencer en information avec une titrologie. Tout en chanson, c'est fait de main de maître par celui qu'on appelle Landry Blessing alias Oui. Oui. Tapez les dents. Est-ce que ça va? Oui. On va commencer. On va commencer la titrologie de Wai. On va vous donner les informations des journaux. On va vous donner les informations des journaux. À la nuit, le suceau, le suceau. Concours administratif, concours administratif. Passeront un concours cette année-là. À tous ceux qui passeront un concours cette année-là, pense à vous, pense à vous. On va poursuivre avec fraternité matin, fraternité matin. Présidentielle 2025, présidentielle 2025. RHDP, PDCI, PPACI. Ça bouge, ça bouge fort. Ça bouge pas déjà, déjà, doucement les gars. Faut pas, ça va trop bouger. On sait jamais, on sait jamais, oh, oh, oh. On va poursuivre avec le patriote, yo, yo. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, oh, oh, oh. Toujours au coude à coude, toujours au coude à coude avec le Nigeria, avec le Nigeria. Deuxième puissance économique, deuxième puissance économique de la CDAO, de la CDAO. C'est pour ça, on nous jalouse là. Hey, on est fort de tout, on est fort de tout. Il n'y a pas l'homme pour nous. Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, Sibéri, Obrria. Tous les villes, la maman, la maman, la chemin, la maman. Allez, bloquez musique. Est-ce que ça va? Ok.
du bruit pour l'Angry Blessing encore. Merci. Oui. Ouais, ça comment? Ça va. Oui, tu voulais partir comme ça sans informer le Wamier. Ouais. Que le clip est prêt, ça va sortir bientôt. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fini de tourner le clip avec des Bordeaux. On va trouver une date ensemble. Vous voulez quelle date? Donc après, demain. Non, demain, c'est trop tôt. On va vous annoncer la date de la sortie officielle du clip. Le wow wow. Vous avez trop attendu ça. Donc ça vient bientôt. Merci à vous. Et bien, on a dit les images. Les images sont incroyables. Merci, merci. Le clip Dja. Eh oui. Il y a Dieu dedans. Il y a Valon pour toi. Oui. Je suis fort. Merci. Faut nous envoyer la pub en même temps. Alors, en position. Pub. Pub. Oui. Nous sommes de retour sur le flamboyant plateau de William Mini. C'est toujours une joie intense, un plaisir inouï, un bonheur incommensurable de vous retrouver sur ce plateau pour passer ensemble plus d'une heure de bonne humeur, de détente et puis dans une ambiance assez incroyable. Les Wamiers sont toujours là pour m'accompagner. Faites du bruit encore pour vous. On passe tout de suite à la vidéo du jour. C'est notre très cher Daïkada, bébé sans de mots, qui joue au jeu du ni oui ni non. Apparemment, il a très vite compris le principe et il nous fait preuve d'une grande maestria. Regardez. Moi, je parlais, toi, non. Maintenant, quand on parlait là, on ne doit pas dire oui ni non. Si tu as dit oui comme ça, là, tu as perdu. Si tu as dit non, tu as perdu. Tu peux dire ouais, tu peux dire évidemment, tu peux dire ah bon, c'est vrai, mais tu ne dois pas dire oui ou non. Non, si tu as dit ça là, moi, je dois te dire de faire quelque chose, non, tu peux le faire. Même si tu es de danser, tu veux danser. Même si tu. Tu vois, non? Oui. Oui. Voilà. Non, pas du oui. Dis un autre mot, mais tu parles. Ok, oui. En tout cas, allons-y. D'accord, oui, je joue. Ok. T'as quel âge, Kara? Évidemment. T'as quel âge? Évidemment. Non! T'as quel âge? Évidemment. Ouais. Ok. T'habites où? Évidemment. Tu as une femme? Évidemment. Est-ce que tu as trompé quelqu'un? Évidemment. Non, tu n'aimes pas la femme? Évidemment. Ah, donc tu la trompes? Évidemment. Eh! Non, tout ce qui est de l'Italie, évidemment. Tout ce qui est de l'Italie, évidemment. Évidemment, bien sûr. Mais on dit pas oui, on dit pas non, on dit pas peut-être. Qu'est-ce que c'est évident? Boris, oui. Boris. Oui. Est-ce que je peux te poser deux questions? Évidemment. Est-ce que tu es content d'être là aujourd'hui? Évidemment. Est-ce que tu es content de prendre la place de Willy aujourd'hui? À vous. Quoi, c'est ça? Allons aux pépites, c'est mieux. Bon, évidemment, on va aller aux pépites. Allons aux pépites. Avant de démarrer les pépites, quand même, il faut que je marque le pas pour une personne exceptionnelle, une jeune dame spéciale qui m'assiste pour l'écriture de WAM et en particulier de la titrologie de WOI. Elle est pétillante, elle a une présence d'esprit pas croyable, elle a des fulgurances qui vraiment dépassent tout le monde. On va applaudir pour Cassandra de Onao, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je l'appelle affectueusement Pomme. Pomme, joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse, qu'il continue de te faire grandir dans ton métier. Et puis reste la merveilleuse jeune femme que tu es. Franchement, on t'adore. Allez, gros bisous. On passe maintenant aux pépites. Pépite 1. Il restait un peu. Dis à ton voisin, il restait un peu. Il restait un peu. Vous savez, parfois la chance veut te sourire, non? Mais c'est bizarre. Boris, mmh? On voit une image. Mmh? Il y a quelqu'un qui tient en main. Oui. Un bout. Un bout. C'est-à-dire un petit bout. Un petit bout. D'un bien de 10 000. Oui. On voit un peu un, on voit un peu zéro. Non, mais quand on regarde, on sait quand même que c'est 10 000. Quand on sait que c'est 10 000. On connaît l'argent. C'est un petit bout. Petit bout. C'est marqué en légende. Hein? J'ai failli ramasser 10 000 matin. Ah, j'aime bien. Tu as failli ramasser. Maintenant, pas il est 10 000. C'est ça le problème. Sinon, tu as failli, hein. Tu avais dit un peu, mais il restait au moins quelques centimètres dessus. En tout cas, force à toi, hein.
faut te réveiller, faut prendre ta, ton courage à deux mains, tu allais chercher le travail. C'est mieux. C'est là-bas, il y a bonbon l'argent. Sinon, ça là. Même bonbon, mais tu ne peux pas payer ça. Pépite 2, on a compris. Vous savez, dans la vie, parfois, il faut juste avoir le tact pour parler aux gens. Et puis, on va te comprendre, c'est simple. Hein? Boris. Oui. Souvent, les gens doivent s'y même. Souvent, ils doivent s'y. On voit une affiche sur un véhicule. Un écriteau. Il est marqué oui. Nouvelle conductrice. Mais le message qui est derrière est très fort. Vas-y. Pardonnez, oh, je pleure vite. Voilà. Elle a été claire. Elle dit, je suis nouvelle conductrice, mais pardonnez, oh, je pleure vite. Ça là, qui va la stresser sur la route? Elle dit, elle pleure vite. Tu as fait petit en mettant ses funérailles pour te donner aussi jusqu'à destin. Tu es dans un problème. Donc vraiment, ma soeur, force à toi, hein, continue Boris, d'apprendre. Oui. Boris, oui. C'est-à-dire là, oui. Si tu es passé à côté, que tu as klaxonné, elle laisse tout. Et puis elle pleure. Et puis elle commence à pleurer. Mais c'est mieux. On l'a laissé conduire tranquillement sa voiture. Ma soeur, tu as bien fait. Toi, au moins, tu as été franche. On te laisse continuer à apprendre à conduire. Et puis, bonne route à toi. On est ensemble. Pépite 3. Eh, femme. Femme aussi, deux jours là, leur affaire d'argent, là, c'est beaucoup. Non, c'est ça seulement qui est dans leur bouche. Boris. Oui. C'est fort. C'est fort. Le monsieur envoie un message. Il a dit quoi dans le message, là? Alors, dis-moi ce que tu veux. Et je te l'offre. Mais que cette chose soit au féminin. Oui. Par exemple, une robe, une chaussure, voilà. Etc. Etc. Oui, il lui a répondu quoi? Une voiture que tu aurais pu dire. La fille a répondu gentiment. Je veux une l'argent, bébé. Jesus hey is love. Tu veux une l'argent? Une l'argent comment? Femme! Une l'argent. Oh, tu t'es là-bas? Tu l'as dit, donc. Tellement elle veut demander l'argent. On lui demande quelque chose qui est au féminin. Elle dit, bébé, je veux une l'argent. Ah, non, je suis. À quoi tu comprends plus français. Il y a beaucoup de femmes. Choses. Hein. Il y a non, une maison. Vraiment. Il y a une c'est pas la peine. Bravo à vous, Keïta. Notre prochaine pépite est juste une bonne nouvelle qui a été annoncée par la cantatrice Afou Keïta. On écoute ensemble. Boris. Oui. En tout cas, c'est pépite, on lit. On a lit. C'est la tata qui a parlé, c'est elle-même qui a parlé. La tata dit, Vous êtes mort avec moi. Hein? Oui. Je sais écrire maintenant jusqu'à... Je choque maintenant. Ah, bravo. Félicitations. Bravo à Afou Keïta. Là, elle donne un bon exemple. Merci, maman. Elle donne un bon exemple à beaucoup de gens. Vous avez vu, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Afou Keïta, elle gagne déjà bien sa vie. Et c'est une artiste hyper connue. Elle a le succès, elle a le talent, la réussite. Mais quand même, elle a décidé de prendre sur elle et puis elle est partie apprendre. C'est tout ce qu'on vous demande. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On fait du bruit encore pour Afou Keïta. Hein? Courage à toi, la tata. Et puis bonne continuation dans tes études. Quand tu as ton bac, là, nous, on va annoncer ça ici. On a confiance en toi. Affaire de français. Les gars, quand on vous dit d'aller à l'école, vous n'écoutez pas. Quand on vous dit de retourner sur les bancs, vous n'écoutez pas. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux à l'air, là, ça fait peur, hein? On souffre. On dirait palabre même. Boris, C'est écrit. Ils ont dit quoi? Bienvenue au Bénin. Bienvenue au Bénin. Où les célibataires. Fait. F-A-I-E-N-T. Hey. Semblant d'être heureux. Tchao! Déjà, il y a une faute. Regardez ce qui va se passer. Quelqu'un, ils ont commenté. Mettons le commentaire. Champion. Hein? C'est faire. Hein? F-A-I-R-E-N-T. Hey! Quand vous dites d'aller à l'école, vous ne voulez pas. Hey! Voilà les amis ici. C'est des jeunes, ils sont tous très instruits. On va vérifier. Je peux fermer mes yeux, mais pour poser la question à n'importe qui. On va vérifier. Il y aura la bonne réponse. Mon frère, je te donne. Corrige d'abord la publication. Bienvenue au Bénin où les célibataires font d'être heureux. Font quoi? Font semblant d'être heureux. Voilà, épelle font s'il te plaît. Font. F. Oui. O. Oui. N-T. J'ai dit les Wamé sont l'homme. Les Wamé sont l'homme. Donne le micro. Merci. J'ai toujours dit qu'ici là. C'était des jeunes qui étaient très instruits. Et puis, on te montre en gros plan. Remontrez-le en gros plan. Il est très serein. Voilà.
Il est heureux, il est heureux, il est joyeux. Demain, donner la bonne réponse. Non mais quand même, Hein, les gars, faites un effort. Vous pouvez faire un effort. Ou le célibataire fait. F-A-I-E-N-T. Dans ça là, est-ce que c'est le verbe faire, il a conjugué? Il devait mettre quoi? C'est Z, il devait mettre à la fin. Allons à l'info, boss. Avant de démarrer vraiment cette info buzz, on a un audio du jour. Vous savez, une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui, on a un audio. Et puis l'audio, c'est manager confirmé qui nous a envoyé une note vocale depuis les États-Unis. Asseyez-vous bien, asseyez-vous bien. Manager est parti aux États-Unis, il n'a pas encore fait une semaine. Mais un nouveau modèle de français, il parle là. Ah, même Obama. Obama n'est pas président, n'est pas à New York, là, tu ne peux pas comprendre. Écoutez. Bonjour, papa. Ah ouais, papa, c'est ton fils. Ouais, après que vous venez aux États-Unis, vous ne pourrez pas voir le spectacle. Oui, je suis là à Manhattan. Donc, j'aimerais voir si, au moins, avoir une prestation par rapport à votre spectacle. Ça me fait un plaisir, papa. C'est ton fils. Ton fils, ma langue a confirmé. Donc, j'ai l'impression que vous êtes acquitté là-bas, en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis là. Actuellement, je suis à New York. Demain, je serai où il y a Maison Blanche. Demain, je vais visiter la Maison Blanche. Et puis, me retourner encore à Chicago. Donc, papa, si tu viens, par rapport à vos prestations, voir. Non. Pour que je puisse prester un peu. Merci, papa. Merci. Non, manager, on a eu la tort. Et de toute façon, nous, on est resté à Abidjan ici. Et puis toi, tu es parti aux États-Unis là. On s'est tué dans ta main comme ça. Ah, manager, on peut faire ça? Ton français, on ne sait pas si c'est anglais, si c'est espagnol. C'est un clafoutis de langue, non? Et puis tu nous donnes ça comme ça. Non, manager, tu es l'homme. Et puis maintenant, il nous a envoyé également une vidéo sur Times Square. Manager sur Times Square, une vidéo, un petit message pour tous les Wamiens et puis pour tous ses fans. Je ne sais pas si la régie peut nous balancer la vidéo là rapidement. La vidéo de Manager, voilà. Je salue la famille, vous connaissez déjà, c'est Manager confirmé. Actuellement, je suis aux États-Unis, à New York, au Times Square. Vraiment, je viens dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, mes parents qui m'ont soutenu, qui ont continué de partager mes trucs sur ma page. Aujourd'hui, grâce à eux, aujourd'hui, je suis ici aux États-Unis. Je dis merci à mon papa Aziz47 parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis ici. C'est lui qui a fait tout. C'est pour ça que je vous dis toujours, il est mon Dieu sur la terre. Voici moi, États-Unis, qui croit? C'est pour ça qu'il a dit mollo pour le devenir quelqu'un. Il dit un peu l'homme devient quelqu'un. Voilà, maintenant il a confirmé ici, États-Unis, à New York, au Times Square. Vous voyez les images. C'est ici, maman Evidoro, ils ont placé son truc, son image. Et je dis merci à mes fans. Le combat continue. On ne va pas s'arrêter là. Et je vous ai dit, je vais faire le tour du monde. Ouais. Merci, manager. Merci. Nous tous, on est fonds et puis on est fiers de toi. Force à toi, continue d'avancer. Nos prières t'accompagnent. On est ensemble. Tu es un exemple, manager. C'est bien comme ça. On fait du bruit encore pour manager confirmé. Voilà. C'était la parenthèse, manager confirmé. Et puis on poursuit alors dans notre info buzz avec la première breaking news. C'est Imra featuring Suspect 95. Le clip, c'est Gaté Nanina. Ça a été publié le vendredi dernier. On regarde ensemble un extrait. On n'est pas des rappeurs influencés par Asaki. Dans le game, ils sont fiers de Bior et moi ici Shaki. Et les bois chapent à Wadi. Le chété va pas le faire, toi t'as dit. Maintenant c'est dans tes dents, t'es pas qui. Maintenant c'est dans tes dents. Yeah, Cassila, elle est là. Tiens, parlez là. Yé, voir, coupé, décalé là. Sec, c'est gâté, nanina. C'est qui t'a, soit, m'a attaqué, Bangoli. Position assortie dans dos là. A cassé la gola. Il a joué le Nushi, il a pris ça dans dos là. C'est gâté nanina.
J'arrive comme Obama, tu pars comme Ali Bongo, Ondimba. Aruna Dindan, une, deux, syndicat machette dans la gorge une fois. Connais pas Tinder, le canto télécharge Eva ou Linda. Ici c'est brutal, tu veux la douceur, tu mets Google, tu t'approuves. Gâté Nanina, c'est Imra featuring Suspect 95, déjà disponible sur YouTube. Allez faire pleuvoir les millions de vues parce que c'est du très, très, très bon hip-hop. On poursuit avec une deuxième breaking news. Cette fois-ci, c'est Rémi Adan. Il revient avec le clip du titre Koutoukou. On regarde. Quand je ne te vois pas, bébé, je dors pas. Bébé. San Pedro, Assini, dis-moi où tu veux qu'on parte. Tout le monde me dit je suis aux autres parce que je suis fan de toi. Baby, allô. Magnifique, magnifique chanson, belles images, le clip est sublime. Bravo à Rémi Adan. Et puis, c'est le même rendez-vous hein, sur la plateforme YouTube. Vous partez pour soutenir nos artistes, c'est hyper important. Troisième et dernière breaking news pour ce lundi, là, c'est Maro featuring Spider. On regarde rapidement. Bravo, bravo. Franchement, j'aimerais qu'on fasse encore plus de bruit pour tous les artistes ivoiriens parce qu'ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour nous. Ils financent des clips à coups de millions et puis ils font tout pour nous maintenir au niveau international par rapport à la musique, par rapport à ce qu'ils nous proposent et puis ça fait notre fierté. Et puis on est fiers de dire qu'on vient de Côte d'Ivoire grâce à eux. Beaucoup de bruit encore. Merci. OK. José fait le show à l'aéroport. Elle est fermement décidée à faire plaisir à ses fans pour la sortie de son nouvel album Vibration Universelle. La diva José met les bouchées doubles après les spectacles improvisés dans les supermarchés. José Priscille a pris le chemin de l'aéroport. Elle y a donné un tour de chant magistral le vendredi dernier au grand bonheur des voyageurs et des nombreux badauds. Je vous montre un peu. C'est hors du temps, c'est fantastique, bravo. Et puis un grand merci à toi, José, pour ces moments exceptionnels que tu offres aux mélomanes de Côte d'Ivoire depuis quelques temps. Je rappelle que la conférence de presse de son nouvel album aura lieu le mercredi 24 avril et la release partie de ce même album sera pour le jeudi 25 avril au Yelams avant la sortie de l'album prévu pour le lendemain 26 avril. Force à toi encore, José, et puis on est ensemble. Que Dieu te garde. Félicitations Ariane Céleste, voilà, hein, elle portait l'une des grossesses les plus commentées sur la toile, elle portait ça vraiment très, très fièrement, elle était contente d'attendre cet enfant. Ce samedi 20 avril, l'influenceuse Ariane Céleste a annoncé son accouchement sur les réseaux sociaux. La jeune maman n'a pas donné de précision sur le sexe de l'enfant, mais le plus important, c'est que le bébé et la maman se portent bien. Félicitations à toi Ariane Céleste et puis bonne arrivée au bébé, que Dieu vous bénisse. Ariane, on aime beaucoup ton affaire, pardon. Ton affaire de ne pas te laver là. Faut pas initier l'enfant là-dedans. Hein? Faut laisser, on a qu'à le laver. Toi seul, faut tuer tes cabris. Courage à toi. Et puis félicitations encore. On t'aime. Gros bisous. Yako
phénomène authentique. Un petit tour dans le milieu du rap pour la suite de l'infobuzz. Alors qu'il se rendait à Dallois pour un spectacle, le rappeur Phénomène Authentique a été victime d'un accident. Dieu merci, l'artiste n'a pas eu grand-chose et il se remet tout doucement. Il y a quoi, toi, Phénomène Authentique, et beaucoup, beaucoup de courage, bonne guérison et surtout que Dieu continue de t'inspirer. Rocky Gold revient. Voilà. Ça dit, deux jours, il envoyait les nouvelles. Non, je quitte la musique. Je fais, déjà, c'était plein. Mais il y avait un son qui venait derrière. Non, Rocky, tu nous as eu. Hein. On la croyait définitivement perdue pour le showbiz. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques semaines, Rocky Gold avait inquiété ses fans en annonçant qu'elle se retirait du milieu de la musique. Dieu merci, il n'en est absolument rien. Hier, la chanteuse a annoncé la sortie de son nouveau single. Le titre, c'est Mouton. On suit ensemble un extrait du teaser. Félicitations, félicitations, bravo à toi Rocky God, je sais que le travail est toujours bien fait parce que je te sais très bien entouré et très concentré sur ta musique. La sortie officielle du titre est prévue pour demain, mardi 23 avril. On ira streamer un tas pour soutenir notre sœur, notre artiste Rocky God. On applaudit encore pour elle. On va poursuivre avec un avis de recherche. Comme vous le savez, le WAM, on fait du social aussi. Et puis, on aime beaucoup tendre les mains, aider ceux qui sont dans la détresse. Un avis de recherche dans notre rendez-vous du jour. Il s'agit du petit Fatiga Issa, âgé de 13 ans. Il habite à Abobo, PK18, cité Concorde. Première tranche, il fréquente l'école coranique Abdraman Traoré, située dans le même quartier. Il fait la classe de CE1 et sa mère s'appelle Zuri Djeneba. Si vous avez des informations, si vous avez même, une bribe de quelque chose pour essayer d'aider sa famille à le retrouver, veuillez contacter le numéro suivant, le 07 78 80 57 21, 07 87 44 34 57 05 04 97 66 83. Je répète les trois numéros. 07 78 80 57 21 07 87 44 34 57 et 05 04 97 66 83. On espère vivement que la famille va retrouver son enfant. On va poursuivre avec toute autre chose. Là, maintenant, on va parler de culture. Le rideau est tombé sur le Massa 2024 qui s'est tenu du 13 au 20 avril dernier. Fabrice Ndé y était. On fait le point avec lui sur les traces d'eux. Des sacs avec du pain, des instruments de musique et aussi de la déco qui rappelle les couleurs de chez nous. Alors les amis, je me trouve ici dans l'un des stands installés au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Mais justement, le Massa, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que cela se déroule? Eh bien, je vous explique tout maintenant. On y va. Le Massa, c'est le lieu d'expression de tous les créateurs africains. Ici, on retrouve des vêtements, des accessoires, de la vaisselle, et bien tout ce qui a été confectionné et qui est made in Africa. Un lieu où on valorise ce qui vient de chez nous. Nous sommes d'abord des recycleurs. Tout ce que les gens rejettent là, nous on les récupère, on travaille là-dessus. Et puis après ça, vous avez les meubles derrière vous. D'accord. Et puis voilà, tout ce qui est objet d'art et tout ça. Mm-hmm. Est-ce qu'ils acceptent les prix que vous leur proposez? Et ça dépend de la tête du client. Les blacks ils ont leur prix à part. Ok. Et les blancs aussi, ont leur prix à part. Faut continuer, c'est bien. Si vous vous demandez où est-ce que se trouvent vos ventilateurs gâtés, je pense que j'ai la réponse. Regardez ici, tous les ventilateurs d'Abidjan qui ne marchent plus. Bonsoir monsieur. Cette belle tenue s'appelle le robot. C'est 45 grises de ventilateurs. Okay. Plus de 190 attaches. Ok. Et 4 mètres 50 de longueur et 2 mètres 75 de largeur. Je l'ai fait en 3 mois. Voici ce que nous proposons et tout provient du Ghana. Made in Ghana. Tout est très joli et c'est de bonne qualité. La particularité de nos sacs, c'est qu'ils ont été confectionnés en Côte d'Ivoire et ils ont une touche de pain kita, pain baoulé. Et aussi, nous vendons de la liqueur. La liqueur aussi faite en Côte d'Ivoire, pain ivoirienne, avec des produits locaux, faits de manière artisanale. On a la douce piqûre, zeste d'orange et date, c'est un mélange. D'accord. Ah, c'est bon. Alors, comment
comment est-ce que je joue? Dites-moi comment je joue. Non, ça a été parfait. Vous avez fait un très bel bataille. D'accord. C'est donc, comme ça, on t'entend ici en Afrique. J'ai un bon avenir là-dedans. Oui, vous avez un bon avenir. Oui, ça, c'est le palafon. Le massage, c'est de l'art. C'est aussi et surtout du spectacle. Et parlant du spectacle, je vous amène regarder maintenant le spectacle de fin qui s'intitule Cultiver l'avenir et qui est mené par Ivoire Bayonnette. Il n'y a pas eu de spectacle, il y a des salles vides. Un massacre éclaté, le pougon à bobo, parler de la culture. J'ai dit bien, on n'a pas eu de masse, on n'a pas eu de spectacle avec salles vides. Chaque spectacle, il n'y avait pas de place. Tout ça, c'était le massacre, c'est à la fois du talent, c'est de l'énergie, c'est de l'émotion, mais c'est aussi et c'est surtout le rayonnement encore de notre pays à l'international. C'est ainsi que l'édition 2024 du Massa se referme. Il y avait au menu de la couleur, du spectacle, de l'art. Les Ivoiriens ont surtout répondu présent à l'appel du ministère de la Culture pour justement valoriser ce qu'on a de plus beau chez nous. Rendez-vous dans 2 ans pour une autre édition du Massa encore plus colorée. Bye bye. Bravo, bravo. Merci à Fabrice Ndé pour ce bel élément et surtout félicitations à tous ceux qui ont participé au Massa, à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce beau festival. C'était vraiment exceptionnel. On en a eu pour notre compte. Il y avait des danseurs, il y avait des artistes, il y avait du cirque, il y avait absolument tout. Bravo au ministère de la Culture et vivement le prochain Massa. On va recevoir maintenant mon premier invité. C'est un maître de la rime et de la parole. Vous savez, si dans notre pays, le slam devait être personnifié, ce serait certainement celui-là qui représenterait cette discipline. Il a été récemment primé lors du dernier Massa. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Mr. Naoulou. 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 Eddy, c'est comme ça que vous applaudissez pour Naoulou. Il a gagné $2000 dernièrement. Il a gagné $2000. Ok, d'accord. Amusez-vous avec $2000. Quand Naoulou va commencer à donner 10 000, 10 000 à tous ceux qui ont applaudi là, ceux qui n'ont pas applaudi là, on veut rien entendre. Alors, Naoulou. Ouais. Naoulou, ouais. Fraîchement sacré meilleur slameur de la CDAO. Déjà, ça fait quoi? Bonjour à tout le monde, bonjour au public, à ceux qui nous regardent. Bonjour Naoulou. Bonjour. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est beaucoup d'honneur. On se sent honoré, on se sent assez reconnaissant pour tout ça. Parce que, je veux dire, pour les spectacles de slam qui étaient en compétition, il y avait de très très beaux spectacles. Si nous, on nous a choisis pour déjà le prix, c'est beaucoup d'honneur. Voilà, donc c'est beaucoup plus à honneur et connaissance. Une image vaut mille mots. Tu as eu 2 représentations au Massa, comme tu me l'as dit. C'est ça. On a un extrait de la première représentation, je crois. C'est ça. On va regarder ensemble. Naoulou, au Massa. Je vois un éléphant skinny dans un pays où Olivia Yassé ne fait pas l'unanimité. Ils m'ont dit que les médias n'ont sens que les médiocres. Que dire de ceux qui cliquent pour propager tout ce cirque. Pas besoin d'allumer la télé d'ici, qu'on se dise les baisses et qu'aiment les femmes et les hommes d'ici. Ce sont les chômeurs qu'on retrouve ce midi à midi. Et les lourds papos que pèse la bouche d'ozone ici, le buzz est vital. Le soleil se lève à l'est, mais se bouge. Jaloux, sur la toile, il est rare que l'homme s'agace. Dans le concert des nations, on se demande encore où Bamba habille Sarah. Chacun n'a qu'à faire son bout. Parce qu'à faire de bain, peut créer un bain. Waouh! Un moment de... Je ne sais pas, je sais pas trop comment décrire ça, un moment de transcendantalité ou de méditation ou d'introspection. Comment tu... Naoulou, là, je vais te demander un petit exercice. C'est-à-dire, tu n'es pas Naoulou, tu te mets à la place de quelqu'un qui était dans le public et qui t'écoute. Comment tu aimerais qu'il appréhende ce que tu es en train de faire sur scène? Moi, je fais de... Je fais, comme je dis, c'est un peu comme une dictée de Dieu. Nous, on dit... On fait
Et puis forcément, celui qui nous donne de dire, de faire, il a forcément quelqu'un que ça va toucher particulièrement. Je crois que c'est Protagoras qui disait dans la Grèce antique que les artistes sont inspirés par les anges, je c'est pense. C'est ça. Hein. Et donc, c'est un peu comme une dictée de Dieu. Comme j'ai dit, on a le public qu'on mérite. Moi, je ne me dis pas forcément qu'il faut que je fasse ça précisément. Ou bien, il y en a d'autres. Tu cherches pas à être carré, quoi. Je ne cherche pas à être carré, je suis ouvert. Là, il y a, dans ce texte, principalement, je parle un peu, il y a un peu des mots nouchi, beaucoup de références d'ici. Et il y a d'autres qui sont assez en l'air, il y a d'autres qui sont très imagés, et puis je ne décide pas. Je ne décide pas, et à un moment ça vient, on écrit, on cherche des choses, on crée par rapport à comment on sent des thématiques, parce que la thématique est là, et puis comment on l'aborde, on cherche, tant que ça touche des gens, heureusement. Ouais. Et près d'une décennie de slam derrière toi, quand tu regardes dans le rétroviseur depuis tes débuts, il y a de longues années de cela, à cette, je dirais, c'est pas forcément l'absolu, mais cette consécration, ce prix que tu as reçu au Massa, tu vois quoi? Le petit Naouloud d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Moi, je vois un gars à qui j'ai dit, bah, écoute, décide, prends des... La vie, c'est une succession de choix. J'en ai fait des choix qui sont assez forts quand même. Aujourd'hui, ça paie. Au début, quand on décide de faire ça, de faire du slam, de la poésie en Côte d'Ivoire, on est autour de... Bon, en 2013, c'est pas encore slameur, c'est beaucoup plus poète. Avec l'école des poètes, on débutait. Mm-hmm. Moi, je monte sur scène autour de 2014-2015. Avant, c'était impensable de voir déjà même le slam au Massa, de voir même un slameur appelé sur un plateau de télé, de voir que les choses évoluent. Il fallait des gens qui croient. Il fallait des gens qui croient et se donnent les moyens d'avancer. Nous, on a fait. Peut-être mais à aucun moment, on a regretté. Donc, à celui-là, j'ai dit petit merci d'avoir fait ces choix-là. Merci d'avoir continué quand beaucoup de personnes ne croyaient pas. Quoique, quand on décidait, il y en a qui croyaient. Mais je vais dire ça pour lui dire que si à un moment, il s'est caché, qu'il a pleuré, si à un moment, sur la route à l'université, il se posait encore de grandes questions. Le petit Naouloud. Oui, en ce moment, il était encore là-haut Lionel, il était encore Ariel Ménélic au début. Si pendant ces moments-là, il y a des personnes qui essayaient de te déstabiliser par tout moyen et que tu as tenu, c'est pour toi tout ça célèbre. Parce que moi, je ne m'empêche même pas de célébrer. Ouais. Quand je rentre, vous voyez un peu comme je fais le truc sur Internet, okay. Parce que je veux montrer aux gens une certaine positivité. Il y a beaucoup d'humilité dans ce que je fais. De ce qu'on me dit, mais dedans aussi, il faut dire aux gens qu'il y a un travail qui a été fait. On a suffisamment travaillé pour être là où on est aujourd'hui. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a l'apport de tout le monde, parce que depuis le début, il y a des gens qui étaient avec nous. Depuis le début, il y en a qui sont venus sur le chemin. Et moi, je n'en veux pas à ceux qui n'ont pas cru au début. Je dis juste que ce sont les faits. L'essentiel, c'est de rejoindre le train. L'essentiel, c'est qu'ils viennent et qu'ils soutiennent. On n'a pas encore fini de toucher le monde. Okay. On n'a pas encore fini de faire ce qu'on a à faire. Ouais. D'accord. Et le slam, on le sait, c'est la maison de l'expression orale. C'est des gens qui sont vraiment très pointueux, méticuleux sur l'usage des mots, le sens des phrases et tout. D'abord, parfois, le langage est assez recherché, je dirais même sophistiqué, mais toi tu réussis à y rajouter du nouchi, des mots de nos patois. C'est une façon de permettre au public ivoirien de s'approprier ce que tu fais ou c'est le propre de ton art? C'est pas forcément le propre de mon art. On a la chance en Côte d'Ivoire, je dis que c'est une chance en Côte d'Ivoire d'avoir des slameurs qui ont des styles assez différents. Il y a des styles, il y a plein de styles. Et quand on, c'est peut-être ça qui nous aide aussi à avancer tranquillement sans qu'on se marche sur les pieds. Chacun a son couloir, comme on le dit. Moi, mon couloir, au début, on m'a beaucoup reproché d'avoir des mots recherchés. Ce n'est pas ma faute. C'est ce qui m'emmène à la poésie. Reproché d'avoir? D'avoir des mots assez recherchés, d'utiliser des tournures assez compliquées. Ouais. Mais je me dis... Culture, c'était là. C'est la culture, c'est là. Heureusement, on a un public qui évolue avec nous. Mmh. Donc moi, j'ai beaucoup de personnes qui aiment ce que je fais. D'autres même me disent, on ne comprend pas ce que tu fais, mais on aime. J'ai rencontré, pour la petite histoire, là, j'avais mon gros chèque là, au Massa. Ouais. Il y a un anglophone qui m'approche et tout, avec mon anglais qui m'est resté depuis là. Ton petit anglais, banabana là. Ouais, mais c'est pas banabana quand même. Vas-y. You understand what I'm saying? Je connais aussi. You know, mais maintenant, il parle, nous, on peut parler. Aïe. Non, mais en vrai, il me dit, écoute, je comprends pas ce que tu dis. Je comprends même pas un seul mot de ce que tu dis. Mais la poésie est un langage universel. Et quand je te vois, est-ce que tu te dégages là? Moi, j'ai aimé tout de suite et je pense que ce prix est mérité, ce qu'il m'a dit. Ouais, c'est vraiment bien dit. C'est vraiment bien dit. Naouloud, ce n'était pas prévu,
mais tu sais bien, et moi je le sais aussi, que tu es mon gars. Et Dieu seul sait si tu ne m'as absolument jamais rien refusé, Naolou. On va garder le même fond musical qui était là tout à l'heure, sur lequel on causait. Et d'accord. Puis tu vas essayer de nous transporter avec une envolée lyrique dont toi seul as le secret. Public de WAM, WAM est d'ici et d'ailleurs, apprécié, dégusté. C'est Naolou, Naolou. Ceci est un exercice de style, un regard chronique qu'on porte sur notre pays et 225 en est la clé. Le buzz est un grand livre ouvert que nos pages alimentent. Il n'y a en discipline bérée ici, il n'y a que la politique qui nous divise. Ici le buzz est vital, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Que vaut un éléphant skinny dans un pays où Olivia Yacé ne fait pas l'unanimité? Ils m'ont dit que les médias n'ont sens que les médiocres. Que dire de ceux qui cliquent pour propager tout ce cirque? Pas besoin d'allumer la télé d'ici, qu'on se dise les bœufs et qu'aiment les femmes et les hommes d'ici. Ce sont les showbuzz qu'on retrouve chez Willy à midi et tous ces lourds papots que pèse la bouche d'ozone. Ici le buzz est vital, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Sur la toile, il est rare que l'homme s'agace. Et dans le concert des nations, on se demande encore où Bamba a mis Sarah. Chacun n'a qu'à faire son bout, bout. Parce qu'à faire de bain, bain peut créer un banc, banc. UDM, VS, EK, tout n'est qu'alphabet. Les choses vont de mal en pire. Pour loyer un payé aux mains, Oman a pris la porte. Dans le persévérer décalé, ces bébés sans os de man qui mènent la danse. 12 jours sans se laver, il nous a dit, il va pourrir nous. Et moi j'ai vu dans une vidéo Tiesco l'insultant. Le coupé décalé a repris le pouvoir. Boribana, Jesco. Et partout, les caterpillars roulent, casse. La canne est finie et les choses ont repris leur marche normale. Merci à Yodé, Siro, à Dengrasaki. Les aigles n'ont pas embaumé l'éléphant. Même quand c'était chaud, nous, on n'a pas pleuré, Joe. Certains avaient à Krajo, nous, on a serré Dieu. Que chacun s'occupe de ses oignons, le prix du sac a augmenté. Vivre à Abidjan devient de plus en plus difficile. Vivre à Abidjan devient de plus en plus dangereux. Et la pluie a déplacé la cité des arts. Maintenant, elle est à engrais. Les élections approchent. Photocopie doit faire bonne impression. Maïmounan est remonté. Aïcha a tremblé au Burkina et c'est à engrais que les immeubles se sont écroulés. Ils m'ont dit qu'ils ont mouillé le ciment avec l'appel de Daoukro. Vendredi, jour de danse. Vendredi, jour de danse, on ne dure pas au chant. Tita Kouyaté délaissé lundi. Nous-mêmes, on va l'appeler. Naolou, merci. Public de WAM, je vous demande de faire encore plus de bruit pour l'une des plumes les plus affûtées, l'une des plumes les plus aguerries, les plus avertis de l'histoire du showbiz et de la musique en Côte d'Ivoire. C'est mon gars Naolou, Ariel, Ménélique. On se lève tous pour l'applaudir, s'il vous plaît. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Alors, Naolou, maintenant que tu as le prix, tu as les 2000 dollars, la suite, c'est quoi? Les 2000 dollars. Pas aller bouffer là, non? Je vais investir dans la Foca Sport, m'acheter 3 villas. Toi, tu as coulé d'investir dans un club qui est en 12e division. Je vais donner aussi une bonne partie à Henri. Henri qui me plaît particulièrement. Voilà, on a. Africa, je vais investir dans l'Africa parce que l'Africa Sport a besoin de ses enfants. Ouais. On va bientôt monter en Ligue 1. Ouais, donc ouais. Voilà. Jamais. Voilà, tous les oyers, faites du bruit, s'il vous plaît. Merci. Jamais en Côte d'Ivoire. Je vois le boss. Mais non, le boss. Attends, il est je vois le boss Guy Saoyan en train de faire des grands signes. C'est bon, allons le trouver là-bas. Boss, allez, c'est moi qui ai le micro. Allez, hein. Allez. Oui. Merci d'être notre compagnon
ce lundi 22 avril 2024. L'émission, c'est Willy à midi. Et puis le rendez-vous, c'est à partir de 11h30 sur les antennes de la télé sans filtre, 6 du Bouquet Canal et 6 de la TNT. Celui qui arrive maintenant à faire le buzz sur les réseaux sociaux avec ses pas de danse endiablés, c'est un danseur dans l'âme. Et malgré le poids des années, il n'a rien perdu de son immense talent. Il bouge comme personne. On va faire du bruit, s'il vous plaît, pour Mister Pequeño. 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 On applaudit encore pour Pequeño, s'il vous plaît. Pequeño, on est quoi, champion? Ça va, papa. Ça va un peu? Ça va. Et les affaires? Il y a folie. Qu'est-ce qui s'est passé deux jours là? Les gens parlent de toi en tas, partout, partout, partout. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, papa, c'est vraiment. Approche un peu le micro. Ce que tu as dit, c'est pas faux. C'est le talent qui fait qu'on parle un peu de moi. Ouais. Donc, je continue avec le talent, c'est ce qui fait que je tourne beaucoup. Ok. Ouais. Mais toi, ton histoire de danse, je sais que ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Non, ce n'est pas aujourd'hui, c'est un danse depuis mon bas âge que j'ai réussi cela, grâce à Dieu. Depuis le bas âge, tu dansais, mais jusque-là, tu étais resté un peu dans l'ombre. Il y a deux, trois personnes qui savaient que tu dansais jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux où on peut faire des vidéos, balancer, ça fait le tour du monde. Et il y en a une vidéo de toi qui a fait le tour du monde et qui a permis à nous autres là, de te découvrir. Merci. On suit ensemble la vidéo de Pequeño. Merci, papa. Je suis quelqu'un, je m'intéresse beaucoup à beaucoup de choses, dont la danse aussi. Et quand je regarde tes pas de danse, je vois qu'il y a du popping, il y a du locking, c'est-à-dire il y a un peu de smurf, il y a du hip-hop, mais il y a aussi des pas de chenou. Oui. Comment s'est fait ton apprentissage? Enfin, mon apprentissage, c'est Zikemen qui m'a beaucoup inspiré. Oui. Parce qu'en ce moment, il y avait le Figaro. On appelait ça Figaro Village. Mm-hmm. Donc c'est là-bas, il y a eu mon inspiration et puis tout est venu de là-bas. Ok, alors que Zike est d'abord issu de la culture hip-hop, c'est un danseur de smurf. La bing, il fait la bing. D'accord, bing, donc tu as commencé avec le smurf en imitant Zike. Voilà. Et puis après, maintenant, quand les nouvelles phases de Côte d'Ivoire arrivaient là, tu mélangeais ça dedans pour montrer que toi aussi là, je suis dedans. Ah, tu es dedans, c'est faux, je suis fort. Et aujourd'hui, Pequeño, avec tout ce qui se passe autour de toi, tout le bruit que les gens font, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu aimerais dans ce que tu fais? Mon objectif, j'aimerais vraiment vu de mon art, grandi dans mon art que j'ai actuellement. Et ce qui m'a mené sur ce podium aujourd'hui, je vais grandir avec grandir avec vous. Ok, c'est-à-dire que tu veux suivre déjà des danseurs. Des danseurs et puis aussi créer même. Moi-même, je suis un chorégraphe, donc je peux avoir aussi des petits à montrer comment faire. L'idée, c'est quoi? C'est mettre ton art au service des artistes, mais toi-même créer des spectacles Et tout. Même mon art. J'ai des artistes, papa. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ok, il y a foyer. Il n'y a pas d'as. C'est que yo, je suis manager, mais je ne m'en pas. Il n'y a pas d'as. C'est que je suis là. Hein? C'est pas grossesse pour dire entendre 9 mois. Hein? Que voilà, Marco qui est là, il y a son, il y a scène. Il va me crêcher, puis tu vas monter ce que tu sais faire. Fais du bruit pour Pequeño, s'il vous plaît. Pequeño! Oh, you're back.
manger. Ya 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 se pasa. Catherine est malade, à la voie à l'hôpital. Hôpital n'est pas fermé. Catherine est malade, collège malien. Quand tu vois de à 7 niveaux, ça. Sans la démarche. Fais ton malin, la beauté, génie, du soukini. On applaudit encore pour Pequeño. Ouais. Alors Pequeño, maintenant que tu es passé sur notre plateau, la visibilité est à son max. Est-ce que tu n'as pas un numéro de téléphone où on peut te joindre si quelqu'un a besoin de toi pour faire la fête, pour une prestation et tout? Oui, c'est vrai. Vas-y, donne le numéro. J'ai le numéro de mon manager qui est là. Ton manager? Ok. Le manager, viens, viens. Manager, dépêche-toi. Tu as gâté le moment de Pequeño ou bien? Non, jamais. On t'appelle les petites choses, on te dirait Pequeño a besoin de toi. C'est Dieu. Donne le numéro de téléphone pour joindre Pequeño. Sinon, s'il vous plaît. À partir de maintenant, pour joindre Pequeño, oui. Veuillez composer le 2x07 15 95 28. Répète. 2x07 15 95 28. C'est-à-dire 07 15 95 28. C'est le numéro porte-bonheur. Ok, d'accord. On va faire du bruit encore. Merci. Pour Pequeño et puis son manager. Ouais, nous sommes de retour sur le plateau de Wam comme si on n'était absolument jamais parti. L'ambiance est exceptionnelle, pardon. L'atmosphère est tellement agréable, c'est tellement chic, c'est tellement puissant de se retrouver ici. Et tout ça grâce au Wamien, zéro Wamien. Faites du bruit pour vous, mon petit. Vous êtes spéciaux, vous prenez soin de nous et puis grâce à vous, on a toujours la force de revenir ici, donner le meilleur de nous-mêmes pour nous garder dans le même esprit. Franchement, c'est exceptionnel. Merci encore à vous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Voilà, on passe tout de suite à nos amis du midi. Générique. Ils sont âgés de 19 ans et ont franchi ensemble le cap du mariage. Quel est leur parcours? Comment ont-ils pris ensemble une si importante décision à ce jeune âge? Que veulent-ils faire pour la suite? Quelles sont leurs principales motivations? Recevons ensemble Kodjo Christ Nyamke et Atse Chibou d'Assise. Ça va? Asseyez-vous. Les esprits, on va les applaudir encore plus fort. Kodjo Christ Nyamke, Atse Chibou d'Assise. On dit quoi? Comment allez-vous? Ça va bien, monsieur. Ça va bien? On dit quoi? D'Assise. Je vais bien. Ça va? Oui. Le mariage a été célébré. C'était hier ou avant-hier? Bon. Ou il y a quelques semaines de cela? On a eu à faire notre cérémonie de fiançailles le samedi 13. Cérémonie de fiançailles? Oui, oui. Oh, exceptionnel. Bravo. Bravo. On va commencer par le commencement, comme on disait, vouloir faire de la palissade. Kodjo Christ Nyamke, tu fais quoi dans la vie? Qui es-tu? Présente-toi avec tes propres mots. Ok, merci bien, monsieur Boris. Oui. Moi, c'est Kodjo Christ Nyamke, à l'état civil. Je suis artiste musicien à l'INSAC. Je suis en deuxième année. Ok, d'accord.
et Atse Chibrou. Merci beaucoup pour la question. Je suis Miss Dassis. Je suis en licence 2 de ressources humaines et communication à PGM Soko. À PGM Soko. Oui. Alors, Dassis, raconte-moi un peu la rencontre avec ton chéri. OK. On s'est juste rencontrés à une... Dans un camp de prière. Oui. Dans un camp de prière. Oui, oui. À Yamsoko. Ok, d'accord. Vous êtes de la même confession religieuse. Oui, oui. Qui est l'Église de l'Unification. L'Église de l'Unification. Oui. C'est le révérend Moon, je crois. Oui, oui. Effectivement. D'accord. C'est là-bas que vous vous êtes rencontrés. Oui, oui. Et quand tu l'as vu pour la première fois, ça a été quoi tes impressions? Bon. J'ai eu les papillons dans le ventre. Tu as eu des papillons dans le ventre. Hey! Papillon dans le ventre. Ok, vas-y, continue. Bon, lorsque je l'ai vu, j'étais avec des amis d'abord. Mm-hmm. Et, bon, il causait avec deux de mes amis. Mm-hmm. Donc, on s'est vu, on a commencé à causer. Il dit, je suis tant. Moi, j'ai dit, oui. Donc, le même soir, il est parti m'accompagner chez moi à la maison. Puisque lui, il a abusé, ils étaient en déplacement. C'est-à-dire, lui, il est parti t'accompagner chez toi à la maison. Oui. Il a déjà appliqué. Hé, hey, garçon! Mais quand on l'envoie parler pour une bouteille de gaz, il dit, il ne peut pas. Oh, vas-y. Il est allé m'accompagner. Mm-hmm. Et c'est là que tout a commencé. D'accord. On a commencé à causer. Mais au ce moment, il n'avait pas de téléphone. D'accord. Donc, on a causé tout et tout. La séparation était tellement difficile. Donc, on s'est perdu de vue un peu. Maintenant, un jour, je suis rentrée sur Abidjan, je suis venue voir ma grande sœur. D'accord. Maintenant, on profitait pour aller à l'église. On a notre église ici à Yopougon, cité Mamie Adjoa. OK. Donc, là, on se rencontre encore et tout bascule encore. Tout bascule encore. Tout a basculé encore là. C'était normal, mais dès que tu l'as vu, ça a basculé. Oui. Donc, là, on a commencé à causer. Là, il avait du téléphone maintenant. Mm-hmm. On a échangé les contacts et on a commencé à causer. Il dit, Dassis, je veux te marier, tout et tout. Le premier jour déjà? Non, on a échangé. On a échangé, beaucoup échangé. Mm-hmm. Et il a dit, je veux que tu sois ma femme. D'accord. J'ai dit, ah bon? Bon, je sais pas, je veux pas. Tu savais pas quoi dire? Oui. Mais oui. Il a dit, je veux pas. Il dit, non, pourquoi? Que depuis longtemps, je t'aime, tout et tout. J'ai dit, d'accord. Donc, il a dit ça à son papa. Et son père a appelé mon papa. Ce que j'aimerais savoir, vos parents sont également de la même confession religieuse? Oui, oui, aussi. Oui, oui. Ok, d'accord. C'est l'église de l'unification du révérend Moon. Exactement. Okay. Et il a appelé mon père, et puis mon père m'a demandé. Il m'a demandé, il a commencé à sourire. Mon père m'a demandé, je le connais. Il dit, oui, je le connais très bien. Il dit, mais tu dis quoi de ses propos? Il dit, je vais réfléchir. Et comme je suis beaucoup complice avec ma petite sœur, Sylvia, je ne fais pas de cela, elle a commencé à sourire. Elle dit, mais c'est bon. Elle dit, non, je ne veux pas. Elle dit, pourquoi? Donc, il a commencé à causer avec elle. Elle dit, ma chérie, c'est ta chance. Si tu as laissé ça la partie, là, c'est fini. Et j'ai dit, OK. Donc, on a causé. Et j'ai dit à papa, OK. Donc, quand il a dit, OK, son papa a appelé mon papa. Et ils ont échangé. Puis, c'est là tout est parti. Et ils ont organisé la cérémonie de fiançailles. Qui s'est déroulé à Yamsoko, tout et tout. Maintenant, demain, il y aura le mariage religieux. Demain? Oui. D'accord. Christ, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené déjà à partir vers Chibrou, dès la première fois que tu l'as vu? Ok, merci. Bon, selon moi, bon, son comportement, sa manière de faire les choses. Son comportement, mais tu venais à peine de la rencontrer? Oui, comment connaître son comportement dès le premier regard? Déjà, c'est une fille qui est déjà belle. Ok. Elle est vraiment très belle. Oui, son regard est beaucoup attirant. Oui, elle est très, très belle. D'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui. D'accord. Il faut dire que vos deux familles sont de l'Église de l'Unification. Oui, oui. Et pour donner plus de précision à ceux qui nous regardent et au public ici, dans la salle, il faut rappeler que l'Église de l'Unification, c'est l'Église du révérend Moon.
qui pour lui a eu une révélation de Jésus-Christ quand il avait 15 ans pour unir les gens à travers le mariage, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Parce qu'il faut, placer le contexte. Et le révérend Moon est reconnu pour, pour faire des mariages en griffe de masse. On se rappelle même qu'il y a quelques années de cela, il avait marié plus de 2000 couples au Madison Square Garden aux États-Unis. Effectivement. OK, d'accord. Donc, mais est-ce que, à ceux qui disent que c'est sous la pression de la famille et de la communauté religieuse que vous avez décidé de vous marier, qu'est-ce que vous répondez? Bon, selon moi, ce n'est pas une pression. On t'informe juste maintenant, c'est toi, c'est à toi maintenant, bon, de te mettre à réfléchir, en réflexion, quoi. Donc, pour voir si tu es vraiment prête, si elle te plaît, tout et tout. D'accord. Chibrou, toi, je sais que c'est vrai que toute ta famille est de l'Église de l'Unification, mais autour de toi, que ce soit à l'école ou dans d'autres cercles, tu as des gens qui sont d'autres confessions religieuses. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que tu sois déjà, tu aies décidé de te marier à l'âge de 19 ans? Et puis en général, quels sont les conseils qu'ils te donnent? Bon, en tout cas, j'ai pas beaucoup d'amis d'abord. Et... mes amis de la classe, de ma classe, me soutiennent vraiment. Même en prière, mon délégué m'a même appelé pour me dire qu'ils organisaient un camp de prière pour moi, pour pouvoir me soutenir. En tout cas, ils me soutiennent. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais ils me soutiennent, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Tu sens qu'autour de toi, les gens sont d'accord avec même ce que tu as décidé. Mon éducatrice... est vraiment de cœur avec moi, qui me soutient, qui me dit fais tout ce que tu veux, fais ce qui te vient dans la tête, si tu penses que ça te semble bien. J'ai même causé avec elle avant que je ne vienne. En tout cas, mes amis me soutiennent et puis je suis vraiment, vraiment contente. Et toutes ces personnes que tu cites, elles ne sont pas de l'église de l'Unification? Non, on est de la même école. D'accord. Je crois qu'on a une vidéo de votre cérémonie où tu tenais le micro et que tu chantais un peu pour ta chérie et tout. On va regarder ça ensemble et puis on revient juste après. Et ça c'était où? Bon, c'était précisément à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Lors de la cérémonie des fiançailles. D'accord. Et récemment, il y avait aussi un jeune couple qui a été reçu par nos consoeurs de l'émission Le Club. Je pense que vous les connaissez également. Oui. C'est qui pour vous? Bon, ce sont nos frères de l'église. Ce sont vos frères de l'église. Ce n'est pas des frères de sang ou de la famille. Non, non. C'est juste des frères de l'église. Oui. Mais est-ce qu'à l'église, là-bas, on vous force pas un peu la main à passer à l'étape du mariage? Non, on ne nous force pas. Vous c'est nous-mêmes qui décidons. Oui. Et désormais que vous êtes mariés, toi, tu dis que tu es étudiant à l'INSAC. Oui. Elle aussi, elle est toujours étudiante. Comment tu comptes subvenir aux besoins de ta famille en tant qu'homme? Vous devez avoir votre maison. Pour le moment, comment vous gérez ça? Bon, d'abord, on met tout dans la main de Dieu. On met toutes les choses en prière. Bon, à la longue, ça va aboutir. Ça va aboutir. Oui. Et toi, Chibou, tes amis n'ont pas essayé d'attirer ton attention dessus. C'est vrai, tu vas te marier, tu es jeune, mais comment vous allez vivre? Parce que le mariage, c'est beaucoup de responsabilités, il faut les moyens, tout ça. C'est pas revenu un peu parmi ton cercle d'amis? Non, même pas. On ne peut pas parler de ça, mais je suis beaucoup patiente. Parce qu'avec Dieu devant, tout est possible. D'accord. Donc, je pense que... quand il va finir. En tout cas, je ne suis pas pressée. Tu n'es pas pressée. Quand il va finir, il aura le moyen. Et vous serez heureux ensemble. Oui. On va applaudir pour eux encore. Nous sommes en compagnie du couple Kodjo, c'est Chibro d'Assise et Chris Nyamke. Ils ont décidé de faire leur vie ensemble. Ils ont seulement 19 ans. On marque une pause et on revient juste après pour poursuivre les discussions. Allez, à tout de suite. Okay. Nous sommes de retour sur le plateau de Willy à midi pour la dernière ligne droite. Avant la fin de notre rendez-vous, je suis en compagnie du couple Kodjo. Kodjo Chris Nyamke et son épouse Chibro d'Assise. Chibro d'Assise, ok. Alors Nyamke, Chris Nyamke, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui que tu es marié, tu penses pouvoir continuer les mêmes choses que tu faisais comme tout n'importe quel enfant de 19 ans ou bien ça a changé du tout au tout? Bon, tout a changé. Tout a changé. Qu'est-ce qui a changé précisément? Bon, les mauvais comportements, ma manière de faire les choses avant, tout ce qui est mauvais, tout arrêté. C'est-à-dire, quoi par exemple? Bon.
Qu'est-ce que tu faisais, par exemple, depuis que tu as arrêté de faire, depuis que tu t'es marié avec ta chérie? Bon. C'est un peu compliqué. Ouais. Tu ne peux pas le dire ici. Mais désormais, c'est quoi? C'est quoi ton quotidien? Parce que tu avais une routine à la maison quand tu étais un adolescent, un jeune de 19 ans. Aujourd'hui que tu es marié, c'est quoi ta nouvelle routine maintenant à la maison? Vous vivez ensemble ou pas? Si, nous sommes ensemble. Vous vivez ensemble dans la même maison? Oui, oui. Et qu'est-ce qui a changé dans le quotidien? Bon, en tout cas, depuis que nous avons passé à notre cérémonie de fiançailles, j'ai remarqué que les choses ont beaucoup changé. D'accord. On nous félicite beaucoup, on nous encourage. D'autres même prient pour nous, pour que, afin, à la longue, tout puisse bien se passer. Quoi. D'accord. Dassiz, une jeune fille de 19 ans, c'est assez particulier, hein. C'est pas fréquent chez nous ici de voir une fille de ton âge qui a déjà la bague de mariage au doigt. C'est quoi aujourd'hui ta vie de femme mariée à 19 ans? Bon. Après l'école, je rentre directement. Alors qu'avant, après l'école, je peux partir picoter avec mes amis, tout et tout, marcher, prendre mon temps avant de rentrer à la maison. Maintenant, je sais que j'ai une famille à nourrir. Ouais. Donc, après l'école, je rentre directement à la maison pour attendre mon mari. D'accord. M'occuper de lui, tout et tout. Et puis, c'est exceptionnel. Quand Marie m'a entendu ça là, il sourit jusqu'à un sourire là, fait chiot de la tête. Tellement il est content. Et vous prévoyez de forcément faire des enfants et tout. Pour la situation matrimoniale, c'est quoi votre projection? Combien d'enfants? Où est-ce que vous allez vous installer pour la fin de vos jours et tout? Est-ce que vous pensez déjà à ce genre de choses-là? Parce que même si vous avez 19 ans, vous êtes déjà marié. Mmh. Donc, c'est comme un homme et sa femme. Bon. Moi, je compte faire 4 enfants. Mais lui m'a dit... 2 à 3. Alors, quand tu voulais faire 4. Tu vas compléter un dessus. Franchement, c'est assez remarquable. Nous, on ne peut que vous encourager dans cette voie parce que c'est la voie de la pureté, c'est la voie du bon sens, le mariage. Il faut que tout le monde aspire à se marier, à lier sa vie avec une seule et même personne pour le restant de ses jours. Chris Nyamke, quels sont les mots que tu pourrais adresser pour conclure à tous ces jeunes qui sont comme toi, qui te regardent actuellement? Bon. J'aimerais dire aux jeunes de faire comme nous. C'est vrai, c'est pas facile, mais qu'ils s'engagent et ils verront que ça va véritablement les aider. Ok, d'accord. Et toi, Dassiz? Bon. Mes camarades me suivent déjà. Je pourrais dire à mes camarades de faire comme moi. Oui. Parce que, en fait, c'est le vrai chemin, en fait. C'est la vraie vie qu'il y a. Oui, c'est aujourd'hui la vraie que tu es dedans, vie. Tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Tourner à gauche, à droite, c'est pas une bonne vie. Mm-hmm. Te concentrer sur un seul partenaire, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Merci. Oui. Merci. On va faire du bruit pour Chris Nyamke et son épouse Chibro Dassiz. Merci, merci d'être venu. C'était vraiment un réel bonheur de partager ce placard avec vous. Merci. La fin de William Midi pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 11h30 avec la même équipe pour le même esprit, même ambiance, même enjaillement. On est ensemble. Que Dieu vous garde. Moi, j'ai signé le contrat. Toi et moi, c'est bouclé. La vie, c'est le combat. Avec toi, je n'ai pas touché. Oh, le contrat. Pour toi et moi, c'est...